Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez lisser la trajectoire du curseur de votre souris sur le logiciel d'édition et de montage vidéo Camtasia. Pour ce faire, rendez-vous sur le logiciel. En effet, cela peut être utile de pouvoir lisser le curseur de votre souris si jamais vous faites un tutoriel que vous montrez des choses à l'écran, mais que vous avez tendance à bouger votre souris un peu trop. Comme vous le voyez pour l'exemple, j'ai inséré sur la timeline un enregistrement d'un tutoriel, et on voit que ma souris se balade un petit peu trop sur l'écran. On va donc ajuster tout ça. Pour ce faire, on va dans le bandeau de gauche, puis on recherche l'onglet effet de curseur. Si vous ne le trouvez pas directement, eh bien vous pouvez aller dans le plus, et vous trouverez sûrement l'onglet juste ici. Pour ma part, il est juste là, je clique dessus. Dans l'onglet de gauche effet de curseur, on retrouve l'effet lissage du curseur. Je clique dessus, je maintiens le clic, puis je viens le poser juste ici sur mon élément. Maintenant, dans le bandeau de droite, je retrouve les paramètres de l'effet que je viens d'ajouter. Par exemple, la durée, le délai, etc. Et comme vous le voyez, si je viens laisser défiler la vidéo, eh bien ma souris est beaucoup plus lisse. La trajectoire est beaucoup plus droite. D'ailleurs, si vous voulez tester et installer gratuitement la nouvelle version de Camtasia, je vous mets un lien en description pour la télécharger. Le logiciel est franchement très cool, on s'en sert pour monter toutes les vidéos dans une minute. En plus, c'est un système de licence à vie et non d'abonnement par mois. Et puis, si vous l'achetez avec notre lien, vous soutenez la chaîne. Alors pour ça, merci d'avance. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo. Et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.